السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه أيها العباد اعلموا رحمكم الله أن فلاح المرء وسعادته بطاعة لسيده ومولاه والبعد عن كل ما يسخطه جل وعلا وكل ما يضغبه ويأباه أيها المسلمون وللذنوب على العبد أضرار خطيرة وعواقب وخيمة في دنياه وأخراه والناس بين أسير للذنوب طريح للمعاصي وبين عبد وفقه الله جل وعلا وأعانه فهداه صراطه المستقيم وأعاذه من الشرور أيها العباد وفي هذه الخطبة تنبيه على 10 مشاهد عظيمة إذا وفق قلب المسلم لشهودها وكانت حاضرة في قلبه وكان مستحضرا لها كان فيها بإذن الله أكبر عون له للوقاية من الذنوب والسلامة من شرورها شيخ سيربيتر دالله تبارك وتعالى Je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah car celui qui craint Allah تبارك وتعالى Allah عز وجل le protégera celui qui craint Allah تبارك وتعالى Allah عز وجل le préservera celui qui craint Allah تبارك وتعالى Allah سبحانه وتعالى le guidera et l'orientera vers toutes les meilleures choses dans sa vie dans sa religion et dans son au-delà chers serviteurs d'Allah عز وجل sachez ensuite que la réussite du serviteur la joie du serviteur réside dans l'obéissance à son maître et à son seigneur ainsi que dans l'éloignement de tout ce qui attire sa colère son courroux et tout ce qu'il déteste Et sachez ensuite que les péchés, les désobéissances ont un effet sur la personne très néfaste. Elles ont des conséquences très graves, que ce soit dans cette vie comme dans l'au-delà. Les causes des péchés, les appels à la désobéissance et les incitations à tomber dans l'erreur ne cessent d'attirer le serviteur. C'est pour cela que les gens se divisent en 2 catégories. Soit une personne qui est esclave de ses péchés, une personne qui est noyée, qui est plongée dans les désobéissances ou un serviteur à qui Allah Azza wa Jalla a donné le succès, à qui Allah Azza wa Jalla l'a aidé, l'a guidé sur son droit chemin et l'a protégé des maux et des préjudices des péchés.
C'est pour cela que nous allons nous arrêter, bi'idhnillah, aujourd'hui, sur 10 points, 10 observations bénéfiques qui, par la permission d'Allah Azza wa Jal, te serviront de rempart, parmi les plus grands remparts, afin de se prémunir, afin de se préserver des péchés. Et si la personne garde ces 10 points à l'esprit, surtout lorsqu'il est prêt à désobéir à Allah Azza wa Jal, il trouvera, bi'idhnillah, avec la permission d'Allah Azza wa Jal, une grande aide dans le fait de s'écarter et de s'éloigner et d'être protégé, préservé des péchés. المشهد الأول أن يشهد القلب إجلال ربه ومولاه الذي يسمعه ويراه ويعلم بحاله أن يشاهده حيث نهاه وإذا كان العبد مستحضرا لهذا المقام العظيم حجزه بإذن الله عن الوقوع في الذنب والخطيئة وكما قيل من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. La première des observations, c'est que le cœur prenne conscience de la grandeur d'Allah Azza wa Jal, de la grandeur de son Seigneur, de la grandeur de son Maître, qu'il entend, qu'il le voit, qui connaît son état, qui connaît sa situation. Que le serviteur se souvienne de cela au moment où il veut désobéir à Allah Azza wa Jal. Et si tu te souviens de cela, si tu te souviens de cela, de la grandeur de notre Seigneur, au moment de commettre un péché, tu te souviens de la grandeur d'Allah. Tu te souviens qu'Allah te voit. Tu te souviens qu'Allah t'entend. Tu te souviens qu'Allah Azza wa Jal connaît exactement ta situation. Il connaît ton intention. Il sait exactement ton fort intérieur. Alors ici, tu vas prendre conscience que tu dois cesser ce péché. Et comme il a été dit, ne regarde pas la petitesse de ton péché, mais regarde la grandeur de celui que tu as désobéi. Et également, comme il a été dit, celui qui connaît le plus Allah sera celui qui va le craindre le plus. Et celui qui connaît le plus Allah sera celui qui sera le plus prompt à l'adorer et le plus prompt de s'éloigner de sa désobéissance. والمشهد الثاني أيها العباد شهود القلب حب الله جل وعلا وترك الذنوب والبعد عنها والبعد عنها طلبا لهذا المقام العظيم فإن المعصية والذنب أيها المؤمنون يفوت على العبد نصيبه من محبة الله جل وعلا له بحسب ما وقع فيه من ذنب أو خطيئة. La deuxième des observations est que le cœur se souvient de l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il doit délaisser les péchés et s'en éloigner afin d'obtenir l'amour d'Allah azza wa jal. En effet, la désobéissance et le péché le privent d'une part de l'amour d'Allah azza wa jal en sa faveur, et cela en fonction de l'erreur et du péché qu'il aurait commis. Alors, garde à l'esprit, et surtout au moment où tu as la volonté de commettre un péché, que ce péché que tu vas commettre, que ces péchés que tu vas commettre seront peut-être, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve, la disparition, la privation de l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala à ton encontre. Al-mashhadu thalith shuhudu ni'ma wal ihsan fakam min ni'amillahi fakam hiya ni'amullahi jalla wa ala al-abdi nazila fi sihhatih wa fi badanih وفي أهله وفي ماله أنواع من النعم لا تعد ولا تحصى والكريم من الناس لا يقابل الإحسان بالإساءة بل يقابل الإحسان من سيده ومولاه بالطاعة والبعد عن الخطيئة والمعصية. La troisième observation est le fait de méditer sur les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal t'a donné, sur la bienfaisance qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envers toi. Combien sont les bienfaits d'Allah azza wa jal qui touchent le serviteur, que ce soit au niveau de sa santé, de son corps, de sa famille, de ses biens, des bienfaits de tout genre, des bienfaits de toutes sortes que l'on ne saurait dénombrer et recenser. Et la personne qui est reconnaissante n'est pas la personne qui, en contrepartie du bien qu'elle reçoit, répond par le mal, mais la personne qui est reconnaissante, c'est celle qui,
accepte, qui en contrepartie du bien qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné, il répond par cela, par le bien, par l'obéissance et l'éloignement des erreurs et l'éloignement des désobéissances. المشهد الرابع مشهد الغضب والعقوبة وهو مشهد عظيم أن يذكر من دعته نفسه إلى معصية أن الذنوب موجبات لغضب الرب فما نزلت عقوبة إلا بذنب ولا رفعت إلا بتوبة مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا أي بسبب خطيئاتهم. La quatrième des observations est celle de la colère et de la punition. Et cela est un point important, une observation immense. C'est le fait de se rappeler qu'à chaque fois que ton âme est attirée vers la désobéissance, que les péchés, que ce péché que tu risques de commettre entraîne la colère d'Allah Azza wa Jal. Que les désobéissances entraînent le châtiment d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Les péchés provoquent le courroux du Seigneur et l'abattement de la punition. Parce qu'en réalité, aucune punition ne survient si ce n'est à cause des péchés. Et personne n'est élevé si ce n'est grâce à un repentir sincère qu'il a fait. Naam, qu'est-ce qu'il a fait que des peuples furent noyés? Qu'est-ce qu'il a fait que des peuples entiers furent châtiés? Qu'est-ce qu'il a fait que des peuples furent punis sévèrement? Si ce n'est le péché, comme Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, à cause de leurs erreurs, à cause de leurs fautes, ils ont été noyés, puis on les a fait entrer au feu. Et dans un autre verset dans le sens, nous saisîmes donc chacun par son péché. Ayyuha al-ibad, wal mashhad al-khamis, mashhad al-fawat, ayyata'ammal, man arada an yuqarif ma'asiyah, kam sayafutuhu min khayrat al-dunya wal-akhirah. عندما يغشى ذلكم الذنب أو يقع في تلك المعصية ثم أيها العباد أي خير يرجوه من يحصل لذة فاتية أو لذة فانية يتبعها حسرة باقية. Cher serviteur d'Allah Azza wa Jal, la cinquième observation est celle du manquement et de la privation. Que celui qui veut commettre un péché, que celui qui est prêt à commettre une désobéissance, médite sur ce qu'il risque de rater, comme bienfait, que ce soit ici-bas et dans l'au-delà. Et quel bien en réalité peut-on espérer? Quel bien peut espérer celui qui va désobéir à Allah Azza wa Jal? Quel bien peut-on tirer d'un plaisir éphémère, d'un plaisir qui va durer que quelques instants, qui sera suivi de regrets permanents, qui sera suivi d'une perte continue? Naam, la jouissance, le plaisir s'en va, mais le malheur perdure. Quel bien espérer en cela? Voilà pourquoi, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, nous ne devons plus perdre de temps dans cette vie. À nous de nous réformer, à nous de délaisser les désobéissances, à nous de nous remettre en question et de multiplier les bonnes actions. Revenons à notre Seigneur et demandons-lui pardon pour nos erreurs. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب إنه ولي ذلك والقادر عليه فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد أيها المسلمون عباد الله والمشهد السادس وهو مشهد عظيم ألا وهو مشهد قهر النفس وإرغام الشيطان وفي هذا لذة لا توازى وهناءة لا توصف والعبد أيها العباد بين داعيين داعي نفس أمارة بالسوء والشيطان محرض على الشر والفساد وفي الدعاء أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه فهما شران يحدقان بالعبد فإذا وفق لترك الذنوب والبعد عنها كان بذلكم قهر لنفسه الأمارة بالسوء وإرغام لعدو الله وعدو المؤمنين الشيطان الرجيم أعاذنا الله وإياكم.
Également, la sixième observation, c'est le fait d'observer la domination de l'âme et celle du shaitan. C'est-à-dire que dans le fait d'arrêter les péchés, dans le fait de s'écarter des péchés, dans cela, tu vas dominer ton âme et tu vas vaincre le shaitan. Et dans le fait de réussir à dominer son âme et de vaincre le shaitan, il y a une grande satisfaction et un plaisir qui ne peut être égalé. Un plaisir constant que l'on ne peut décrire. Et en réalité, lorsque l'on médite sur la situation du serviteur, il vit entre deux appelants. Le premier, c'est son âme qui est très incitatrice au mal. Et le deuxième, c'est Shaitan qui l'attire aux mauvaises choses et à la turpitude. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, disait dans ses invocations, « Je me mets sous ta protection contre le mal de mon âme et contre le mal du Shaitan et de son shirk. » Ce sont deux sources du mal qui influencent les serviteurs. Mais lorsque le serviteur a été assisté par Allah Azza wa Jal afin de délaisser les péchés, lorsque tu t'éloignes des désobéissances, tu auras ainsi vaincu ces deux sources de mal. Tu auras vaincu ton âme qui t'appelle au mal et tu auras vaincu l'ennemi d'Allah, l'ennemi des croyants, le shaitan maudit. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Al-mashhad al-sabi' ayyuhal mu'minoun, mashhad al-iwad. عندما يتذكر العبد المؤمن بتركه للذنب طاعة لله وطلبا لرضاه كم سيعود على هذا الترك من خيرات عظيمة وبركات عميمة في دنياه وأخرى ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وفي العوض مما يتحقق للعبد في دنياه وأخرى خير من لذة ينالها العبد في معصية في معصية رذيلة وخطيئة قبيحة تجر عليه من العواقب والآثار ما لا يحمد عقباه في دنياه وأخرى. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, la septième des observations est celle de l'échange et de la compensation. Lorsque le serviteur croyant se rappelle que grâce au délaissement des péchés, grâce à son éloignement des péchés, et cela par obéissance envers Allah et en recherchant la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, il recevra en échange de cela des biens immenses et des bénédictions dans cette vie comme dans l'au-delà. Et celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah lui donne en échange une chose meilleure que lui. Et combien d'entre nous ont vécu cette situation? Tu as délaissé quelque chose de néfaste pour ta religion par amour envers Allah Azza wa Jal. Tu as délaissé cela pour Allah Azza wa Jal et tu as vécu le fait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala t'a remplacé cela par quelque chose de meilleur. Et dans cette compensation, il y aura un bienfait bien plus considérable que le plaisir obtenu par une désobéissance abjecte et ignoble dont les conséquences sont indésirables ici-bas et dans l'au-delà. Al-mashhad al-thamin, mashhad al-ma'iyyah. معية الله جل وعلا الخاصة لعباده المؤمنين عباده التائبين عباده المتطهرين عباده المتقين عباده المحسنين وهي معية تقضي النصر أو تقتضي النصر والتأييد والحفظ والكلاءة والرعاية والعناية فما أعظم خسرانا من غش الذنوب وارتكب الخطايا ففوت على نفسه هذه المعية العظيمة ويقول الله جل وعلا واصبروا إن الله مع الصابرين ويقول الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والآيات في هذا المعنى كثيرة وفيرة. La huitième observation, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, est celle de la compagnie d'Allah. La compagnie d'Allah Azza wa Jal qui est réservée à ses serviteurs croyants, à ses serviteurs repentants, à ses serviteurs qui se purifient, à ses serviteurs pieux, à ses serviteurs bienfaisants. Ceux-là obtiendront ce que l'on appelle al-ma'iyya, al-khassa, la compagnie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cette compagnie simple, et cette compagnie se traduit par le fait que ce croyant-là obtiendra le secours d'Allah, il obtiendra le soutien, il obtiendra la protection, l'accompagnement, le soin et l'assistance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et quoi de plus beau
que de s'écarter des péchés et obtenir cette compagnie. Quoi de plus grande perte que de perdre cette compagnie à cause de nos péchés ? Quoi de plus grande perte que d'être privé de cela à cause de nos désobéissances ? C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, patientez, et c'est certes Allah, et certes Allah Azza wa Jal est avec les patients. Et dans un autre verset, quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons, certes sur nos sentiers, Allah Azza wa Jal en vérité est bienfaisant, et les versets allant dans ce sens sont nombreux. Al-Mashhad al-Tasi' أيها العباد مشهد معاجلة الأجل وذلكم أن أجل الإنسان ومغادرة لهذه الحياة أمر مغيب لا يعلمه الإنسان ولكل أجل كتاب إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وكم من إنسان سافر إلى ديار بعيدة وليس له في سفره همة إلا أن يعصي الله فمات وهو في طريقه في ذلك السفر فالأجل أيها المؤمنون أمر مغيب وهو يأتي الإنسان فجاءة وبغتة وبدون مقدمات وبدون استئذان فإذا استحضر العبد ذلك كان ذلك دافعا له لإصلاح نفسه إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. La neuvième observation, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, à se rappeler à chaque fois que tu es attiré vers un péché, c'est le fait d'envisager ta fin proche. C'est le fait de prendre conscience que tu peux mourir à chaque instant. La mort, la fin de ta vie, ton départ de cette vie vers l'autre vie relève de l'invisible. Comme Allah Azza wa Jal le dit, chaque échéance a son terme prescrit. Et dans le sens du verset, et quand leur terme arrive, ils ne peuvent ni l'avancer d'une heure, ni le reculer. Et combien de personnes sont mortes sur le chemin, que ce soit le chemin aller ou le chemin retour, et la seule chose qui les a fait sortir de leur demeure, c'était l'accomplissement d'un péché. Combien d'autres personnes sont mortes en plein péché ? Combien de personnes ont voyagé avec l'unique but de désobéir à Allah Azza wa Jal, puis sont morts sur le chemin, avant même d'avoir accompli ce péché ? C'est pour cela qu'en réalité, tu ne sais pas où tu vas mourir. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu ne sais pas comment tu vas mourir. Alors reste sur tes gardes. La mort arrive subitement. La mort arrive sans prévenir, sans donner l'alerte, sans te demander la permission de te reprendre. Garde cela à l'esprit et cela va te réformer. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Et quand tu es au matin, n'attends pas le soir. والمشهد العاشر أيها المؤمنون مشهد البلاء والعافية والبلاء حقيقة في الذنوب وآثارها وعواقبها والعافية في طاعة الله فالبلاء حقا في الوقوع في سخط الله ومعصية الله وهو سبب كل بلاء وشر والعافية أيها المسلمون في طاعة الله فإذا شهد المؤمن ذلك أنه بالبعد عن الذنوب تتحقق له العافية ويسلم من البلاء يكون له في ذلك بإذن الله عونا عظيما على ترك الذنوب والبعد عنها. La dixième observation est la dernière. C'est seule l'observation de l'épreuve et du salut. C'est-à-dire que le malheur, l'épreuve, le malheur, se trouve en vérité dans les péchés. En commettant des péchés, tu sentiras les méfaits et tu subiras les conséquences de tes péchés dans ta vie, ici-bas et dans l'au-delà. Par contre, le salut, le fait d'être préservé des mauvaises choses, se trouve dans l'obéissance. Et garde cela à l'esprit. Garde cela à l'esprit que dans le fait d'obéir à Allah, tu seras préservé des mauvaises choses. Et dans le fait de désobéir à Allah, tu vivras une vie dure. Tu ne vivras une vie de stress. Tu vivras une vie d'angoisse. Tu ne vivras une vie dont tu paieras la conséquence de tes péchés. Garde cela à l'esprit et tu seras à l'abri des épreuves. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, quoi de plus utile à présent ? Une fois que nous avons ces 10 observations à l'esprit, quoi de plus utile que multiplier les invocations, que de se tourner sincèrement vers Allah Azza wa Jal en lui demandant son aide, en lui demandant de nous préserver, en lui demandant de s'éloigner, de nous éloigner des péchés, d'enlever dans notre cœur l'amour des désobéissances, l'amour des péchés,
en demandant à Allah Azza wa Jal sa guider, en demandant à Allah de nous préserver de l'humiliation et de la perdition. Et celui à qui a été donnée la facilité d'invoquer, lui sera donnée la réponse à ses invocations. Donc ne perdons plus de temps, écartons-nous des péchés, avançons vers Allah Azza wa Jal, multiplions les invocations, la demande d'aide d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعلنا من المتقين اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدي شباب المسلمين اللهم اهدي ضال المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم ارحم موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وصلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين